résumé vous est proposé par Heineken et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League. Dès lors avec Kimmich, oh, c'est la barre transversale qui vient sauver le PSG sur cette reprise de la tête de Choupo-Moting. Il était là, le grand Eric Maxime Choupo-Moting, le Camerounais de 32 ans. Vous connaissez son histoire par cœur, forcément, si vous suivez la Ligue des Champions sur Proximus Sport avec Neymar, plein l'axe, il y va tout seul, oui, il décale Mbappé, il décale Mbappé, la frappe, la réaction et le but. Mais que fait Neuer, le ballon qui rentre, incroyable, 2 minutes et 30 secondes, Kylian sur un assist de Neymar, les deux cracks du PSG, c'est 0-1. Ouais, vous avez parlé finalement de cette possibilité que ça convienne bien aux contre-attaques de, voilà, et aux espaces qui sont proposés pour le PSG. On est vraiment là-dedans, Vincenzo. Je pense qu'au départ, il y a quand même pour moi une grosse bévue là, de l'axe central. Kimmich. Oh, Goretzka, il n'y a pas de malentendu là. Il y a surtout Navas. Quelle occasion énorme à nouveau pour le Bayern Munich. Ça va rentrer, c'est pas possible autrement. Hein. Hernandez et Coman. Paris ne voit pas le ballon hein, pour le moment. Non. Sané et oh, Pavard pour une frappe de... Vous connaissez la suite. Oui. Mais Navas est encore là. Oui. Mbappé avec Di Maria, Neymar. Oh là là, la connexion sud-américaine là encore. Il va faire mieux Di Maria. C'est vrai, un peu décevant. Et ça par contre, Neymar, Marquinhos. C'est but, c'est but. Et c'est un but 100% brésilien. Y a-t-il une position de hors-jeu ou pas? Neuer avait l'air sûr de lui. Je pense pas. Il vient derrière Marquinhos, Vincenzo. Je pense pas. Nouveau coup de tonnerre dans la pente, dans la tempête munichoise. Kimmich, ils ont quand même pris un coup sur la tête, hein, Alex. Après le 0-1, ils étaient bien, mais ils marquent quand même avec un beau coup de tête justement de Choupo-Moting pour faire un 2. L'ex-parisien qui relance le Bayern. Super, non? Et ça, c'est tout bon pour le scénario du match et le suspense. Hein. Évidemment, je crois que c'était vraiment important qu'ils réduisent l'écart. Kimmich, ça va loin. Ouais, ça va tellement loin que Boateng doit un petit peu courir là pour récupérer ce ballon. Centré lui-même, et pourquoi pas avec ce magnifique enchaînement là de Pavard. Ouais. Et furieusement pensé au deuxième but des Parisiens, presque un copier-coller, Vincenzo. C'est là. Vrai. Avec oui, un bon enchaînement et une arrêt pas facile encore de Navas. Kimmich. Eh bien le voilà. Super. On le demandait, on l'attendait, et le voici Thomas Müller. Ouais. Deuxième du nom. 60e minute, le Bayern égalise sur une phase arrêtée. Oui. Et c'est pas une surprise. Oui, non, mais je vais reprendre la réflexion de Marc tout à l'heure. Durant la mi-temps, il a dit à un moment donné, ben, je crois qu'ils ont vraiment intérêt à éviter les phases arrêtées. Ah, ça c'est intéressant avec Mbappé à nouveau. Le retour de Boateng, il va enrouler, oh, premier super. Poteau. Oh, c'est génial de la part de Kylian. Doublé pour Kylian Mbappé, c'est 2-3 pour le PSG. Et on se méfiait bien sûr de ces contre-attaques. On sentait bien
que ça allait finir par passer, que ça allait jouer juste au moins une fois, Alex. Ah oui, c'est tellement évident et prévisible comme scénario. Ça a été très spectaculaire jusqu'à présent. La débauche d'énergie physique, mentale aussi dans ce type de match. Sané, Choupo-Moting avec à la barre. Oh, j'ai cru que ça rentrait là. Oui. Ça a pris l'extérieur du poteau, c'est passé à côté du poteau pour sortir. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.